Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 24 février, il est 18h22. J'ouvre le vlog seulement maintenant, je suis debout depuis 16h45. J'ai sorti les chiens, c'est la tempête dehors, voilà. Donc entre la pluie, bon ça c'est bon acheté, entre la pluie, le vent, non Melba c'est acheté ça. Entre le vent, la pluie, tout ça, Melba ne voulait pas sortir. Voilà. Ensuite, j'ai fait mon ménage. Melba, tu as deux cordes là. Deux nouvelles cordes. Tu ne vas pas prendre ta plume. Attendez, vous tombez. Melba, non. Non, tu ne l'auras pas. Il est mort. Excusez-moi. Donc après, j'ai fait le ménage. Puis j'avais une sale gueule. J'avoue, je viens seulement de faire ma bouteille de café. Et en fait, je vous avais dit que je devais vous montrer le réassort des brûleurs lune étoile. Donc je vais vous montrer un que vous ne connaissez pas. Melba, non. C'est la version bleue. Voilà. C'est la version bleue. Donc lune étoile. Voilà. Donc voilà, c'est la version bleue. Donc il y en a deux. J'en ai repris, j'ai pris deux bleus, deux jaunes et deux verts. Et il me reste encore les deux rouges. Donc je vous remontre le vert. Voilà, le vert, je vous le remontre de nouveau. Et hop, le jaune. Jaune un peu moutarde. Voilà. Donc il y en a deux de chaque. Voilà, excusez-moi, hop. Donc voilà, il y en a deux de chaque. Le bleu, je le trouve tout simplement magnifique. Mais quand j'ai voulu le commander la dernière fois, désolée, mais elle va taper. Quand j'ai voulu le commander la dernière fois, il était en rupture et je peux comprendre pourquoi. Un petit problème, toi? Tu ne l'auras pas, ta corde dégueulasse. Tu ne l'auras pas. Ça sert à rien de me regarder comme ça. Qu'est-ce que t'as? Vous avez mangé, vous êtes sorti. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Non, ça c'est mort, Melba. Regarde, regarde. Tu vas t'étouffer avec ça. Donc non, ça, ça va à la poubelle. Ça va à la poubelle. Non, regarde, tu as deux cordes neuves là. Tu as deux cordes neuves. Non, tu veux pas les cordes neuves justement, tu veux les plures. Donc j'ai pas très très bien dormi cette nuit. Excusez-moi, vous arrêtez pas de tomber, mais les chiens arrêtent pas de taper le PC. J'ai rêvé tout simplement de mon bourreau. J'ai rêvé de mon bourreau et en fait, j'ai rêvé que je le revoyais, là, 18 ans après. Et je peux vous dire que c'est très dur. Le rêve a été très, 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 très compliqué. Le rêve, cauchemar, tout ce que vous voulez, parce que... Donc, revoir son bourreau 18 ans après, dans un cauchemar, rêve, je ne sais pas comment le décrire, mais je dirais plutôt un cauchemar, puisque c'était mon bourreau. Voilà.
Ça a été très compliqué cette nuit. Même si j'avoue que après j'ai fait d'autres rêves un peu plus calmes. Melba, s'il te plaît. Un peu plus calme, mais j'avoue que en plus c'est un long cauchemar. C'était un long. La question c'est pourquoi il était là? Je ne sais pas. Et en gros, on s'expliquait dans le rêve. Il me disait que c'était sa nature d'avoir fait ça et qu'il ne regrettait rien. Je peux vous dire que ça fait mal et ça retourne, ça m'a retourné totalement. Vous voyez mon état totalement, hein, vous voyez mon état. Donc pour moi, j'ai encore l'image qu'il avait il y a 18 ans dans mon esprit. Hein, j'ai encore l'image qu'il avait quand j'avais 18 ans, quoi, 17 ans, 18 ans. Donc voilà, j'ai encore cette image de lui actuellement. Parce que je ne sais pas comment il a évolué en 18 ans. Donc je n'ai pas de photo de lui hein, depuis. J'avais une photo de lui à l'époque que j'ai brûlée. J'ai fait cramer la maison en même temps. Voilà, je suis un peu toute chamboulée par ce cauchemar. Parce que quand lui me disait qu'il ne regrettait rien, moi je revivais ce qui s'était passé. Et j'avais des flashbacks. Et je peux vous dire que des rêves flashbacks, j'en ai fait souvent. Mais là, qui me disent clairement dans ce cauchemar que c'était sa nature et qu'il ne regrettait rien. Et qu'il s'en en gros qu'il s'en foutait de m'avoir détruit. Ça m'a. Je me dis qu'en fait, c'est la vérité. C'est la vérité, ce que j'ai rêvé, cauchemardé, c'est la vérité. Il a même dû m'oublier depuis et passer à d'autres victimes. Mais voilà, ouais, c'est très compliqué cette nuit. Bon, sinon, changement de sujet, j'ai eu une nouvelle commande. Comme c'est un départ en mondial relais, j'ai tout lundi pour la poster. Pour l'amener au mondial relais, puisqu'il n'y a pas de départ le lundi. Donc, ouais, j'ai plein de déchets. Je pourrais la déposer le lundi dans la journée, il n'y a pas de problème. Donc, on m'a commandé un brûleur fleurs. On m'a commandé 6 fondants, 2 macarons et 2 clamshells. Voilà. Je préparerai la commande demain. Là, je suis pas en état spécialement. Ou alors plus tard dans la soirée. J'avoue que ce cauchemar m'a totalement plombé. Voilà, donc j'ai une gueule déterrée, hein. Vous voyez ma tête. J'ai des poches, j'ai des cernes. J'ai des poches, j'ai des cernes et tout ce que vous voulez. J'ai une sale gueule, clairement. Regardez là. Regardez là. J'ai dit comme des cocards. Je suis pas en état, clairement. Bon, excusez-moi, je vais boire mon café et je vais me changer les idées. À toutes. Il est minuit 8. Je suis désolée, je vous ai totalement délaissée. Mais en fait, quand j'ai coupé le vlog tout à l'heure, j'ai eu un gros coup au moral et je me suis mise à pleurer en état de crise de nerfs totale. Je n'arrivais plus à me calmer, j'étais en train de trembler. Je pleurais, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise sous la couette, câlant au chien. Et j'ai pu bouger jusqu'à 22h. Voilà, donc de 19h à. Ouais, de 19h à 22h, je n'ai plus bougé de ma couette. Le temps de calmer ma crise.
Puis après, j'ai mangé, j'ai pris ma douche. Voilà. Là, je suis sur YouTube. Je regarde la vidéo du monde de Salomé. J'ai regardé la vidéo des addictions by N. Et après, il y a le vlog de Marie de la chaîne Mon Ange qui dure 2 heures. Donc, il faut que je m'accroche. Je pense que je vais le faire en plusieurs fois. Donc, voilà. Donc, j'ai des choses à regarder. Et en fait, ce cauchemar m'a totalement retourné, totalement plombé. Il faut que j'arrive à passer outre. Il faut que j'arrive à passer outre. Cet homme m'a déjà détruit. Si en plus il me détruit encore en cauchemar, je m'en sortirai encore moins. Vous avez vu dans quel état ce cauchemar m'a mis. J'étais au bord des larmes tout à l'heure. Larmes qui ont fini par arriver, de toute façon. Ouais. Donc voilà, on va revenir à un sujet plus intéressant. Enfin, plus intéressant, plus gai. Donc, mon entreprise, j'essaye de me faire bonne figure, mais c'est compliqué. Vous pouvez passer commande sur le site lesfondantsparfumeriesdenano.com. Je rappelle que si vous êtes nouveau ou si vous n'avez pas encore bénéficié du code Bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% de réduction sur une commande de 5 euros d'achat minimum. Donc, n'hésitez pas à passer commande. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions à poser, voilà. Comme je dis, 5%, ça fait que quelques centimes sur une commande, mais quelques centimes, c'est quelques centimes. Par les temps qui courent, ce n'est pas négligeable et pas négociable, comme je dis tout le temps. Non, ce n'est pas négligeable. Voilà. Donc, en gros, c'est juste que tout ce que j'avais à dire. Je vais faire les photos du brûleur bleu pour le mettre en ligne. Je vais remettre en ligne le brûleur jaune et vert. Voilà, donc il y en a deux de chaque. Je répète, il y en a deux bleus, deux jaunes, deux verts et il y a encore deux rouges. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à passer commande. Je rappelle que mes fondants vont de 70 centimes à 7 euros. Certains fondants sont passés à 65 centimes. Alors pourquoi ces fondants sont passés à 65 centimes? Tout simplement parce que c'est des fondants qui partent moins bien. Je ne dis pas qu'ils partent pas, je dis juste qu'ils partent moins bien. Donc je me suis dit que si je baissais le prix, peut-être que ça attirerait les gens pour les commander, justement. Peut-être que ça attirerait les gens à commander ces fragrances-ci. Alors qu'elles sont totalement, elles sont très bien. C'est Muffin Myrtille et c'est une tuerie. D'ailleurs, elle part mieux à 65 centimes qu'à 70. Tout ça, crème Nivea, je ne comprends pas pourquoi elle part pas, quoi, elle part moins. Elle partait très bien au début. Et puis tout d'un coup, voilà, ça a diminué. Alors je l'ai mis à 65 centimes aussi. Il y a plein d'autres fragrances comme ça que j'ai diminuées. Alors, ce n'est pas une question de que ça part, pas du tout. C'est juste que ça part, mais moins. Donc, je voulais juste de laisser une chance à ces fondants. Je voulais juste laisser une chance à ces fondants. Donc voilà. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée. Je suis crevée. En fait, le rêve m'a totalement fatiguée. Voilà. Donc, je rappelle que sur mon site, vous avez aussi les diffuseurs. Pour voiture, les poudres parfumées pour aspirateur en 50 et 100 grammes, ainsi que mon roman érotique lesbien à ne pas mettre entre toutes les mains. Je mets des warnings partout parce que, en fait, désolé, mais le bar tourne le canapé. Je mets des warnings partout parce qu'en fait, je veux pas que ce livre choque les gens. Alors, je sais que c'est un sujet choquant. Je parle pas de l'homosexualité, je parle de l'homophobie qui est abordée dedans. Parce qu'en fait, ça aborde l'homosexualité et l'homophobie. Donc en fait, et comme j'aborde l'homophobie dans le côté le plus sombre de la chose, je veux choquer personne. Je ne veux pas que mon roman fasse polémique. Comme je dis, je préfère perdre une vente que choquer quelqu'un. Voilà. J'ai envie d'éternuer sa mère. Ouais, je préfère perdre une vente que choquer quelqu'un, comme je dis. Parce que le but, c'est pas de choquer quelqu'un, le but, c'est que mon livre intéresse quelqu'un. Donc, ce n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains, âme sensible, s'abstenir. Voilà, donc c'est un roman érotique, je rappelle. Donc, il y a des passages sexuels et il y a des passages avec l'homophobie.
On connaît l'homophobie, on sait que c'est pas tout rose. Hein. Et bien sûr, je n'ai pas inventé ce qui se passe, quoi. C'est un roman fiction sur un sujet de société. Mais en fait, ce que j'ai abordé en sujet de l'homophobie, je m'étais renseignée dessus. Je sais que ces choses-là se font. Donc techniquement, ce n'est pas de. Ce n'est pas de. Bon, Melba. Ce n'est. Mais arrête! Ce n'est pas inventer ce que j'ai abordé comme sujet. Mais Melba, ce que j'ai abordé comme sujet n'est pas inventé. L'histoire en elle-même est inventée, mais comme je dis, c'est un roman fiction sur un sujet de société. Donc en général, il y a toujours des sources derrière dans un roman. Voilà. Donc comme c'est un roman fiction et pas un roman, c'est pas un roman fantasy ou je sais pas quoi ou fantastique où il n'y a pas de source derrière. Voilà, donc c'est juste ce que je voulais dire. Donc, attendez, Melba va taper le PC, elle se gratte. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Maman, elle a jeté la corde. Maman, elle a jeté la corde. Faut que je démoule encore les fondants que j'ai fait jeudi, quoi, dans la nuit de jeudi à vendredi. Faut que je démoule les fondants. Ils sont encore dans leur moule. Donc j'ai encore le temps de les démouler. Je dois emballer certains que j'ai faits. Je dois en emballer certains que j'ai faits. Faut que je les emballe, que je les remette avec les autres. Voilà. Puis je laverai les moules demain à la machine parce que là, je peux pas faire tourner la machine à minuit, surtout qu'il y a ma voisine, ma super voisine chérie, qui pendant une semaine, ça ne sentait pas le tabac alors qu'elle était là. Et là, tout d'un coup, ça sert bien à sentir le tabac. Voilà. Je pensais qu'elle avait compris et qu'elle fumait moins. Après, ce qui est bizarre, c'est que je l'entendais beaucoup partir la journée. 2-3 minutes, elle fermait sa porte, elle remontait. Donc, est-ce qu'elle allait fumer dehors? Mais là, je sais pas. Je pense pas qu'elle ait fumé dehors. Après, aujourd'hui, c'était la tempête, on va dire. Donc, entre pluie et vent, t'as pas forcément envie de fumer dehors. Donc, je sais pas. Peut-être qu'elle fumait dehors, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle partait, elle fermait sa porte. Puis, 2 minutes plus tard, elle revenait. J'ai pas tout compris. Voilà. J'ai pas tout compris, mais bon, on peut pas tout savoir. Donc, écoutez, la commande qui m'a été passée est prête. Quoi est prête? J'ai déjà sorti tout ce qui devait être emballé, donc j'ai juste à l'emballer. J'ai imprimé le bordereau d'envoi, donc c'est en Mondial Relais, donc ça partira lundi dans la journée, quoi. J'irai le déposer lundi dans la journée. De toute façon, lundi, il faut que je passe à la pharmacie chercher des médicaments parce que je commence à être à court de médicaments pour la dépression et pour le diabète. De toute façon, j'ai que ça comme médicaments. Donc je commence à être à court, donc je vais aller chercher mes médocs. Voilà, donc comme ça j'irai au Mondial Relais au passage, quoi, avant, parce qu'après j'aurai mes médicaments. Donc j'irai au Mondial Relais avant et puis après sur le retour j'irai à la pharmacie. Donc voilà, donc écoutez, là perso, je vais finir la vidéo du monde de Salomé, entamer la vidéo de Marie. Voilà, pour l'instant je fais une petite pause parce que. Faut pas trop que je force faut pas trop que je force sur les vidéos parce qu'après j'ai avoir mal au crâne surtout si je regarde 2 heures de vlog direct de Marie plus de 2 heures je sais plus fait combien de temps donc voilà le fondant mangue papaye sent super bon là il a fini sa deuxième fois donc je vais faire le tirage au sort du fondant de demain. Je vais faire le tirage au sort du fondant de demain. Plus tard. Et... D'accord. Melba est en train de faire une bataille d'oreiller avec cannelle. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est mon oreiller. Là, tu es derrière mon oreiller. Tu veux faire quoi? Ouais, d'accord. Fais le sandwich. Non! T'es derrière mon oreiller, tu restes derrière mon oreiller. Non mais. Non, elle est chiante. Mais elle est chiante.
Si tu t'es mis derrière mon oreiller, c'est qu'il y a une raison. Elle est en train d'assommer Canel à coups d'oreiller depuis tout à l'heure. Ça va, Canel? Oh, faut que je fasse tes yeux. Faut que maman fasse tes yeux. Maman, elle a coupé les griffes de tout le monde tout à l'heure. Donc je vais faire les yeux de Canel et je vous reprendrai plus tard dans la nuit. À toutes. Tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant est Coco Citron Vert. Super!
Il est 2h46. Le vlog de Marie n'est toujours pas fini. En fait, il durait 2h30. Voilà, j'ai fait une pause pour démouler mes fondants. Vous venez de le voir. J'ai aussi fait le tirage au sort du fondant de demain qui sera coco citron vert. Voilà, donc ça fait. Voilà, donc j'ai enfin démoulé les fondants. J'ai rangé la table. Je laverai les moules demain. Là, je les ai rincés. Donc, j'ai rincé les moules. Donc voilà, donc là je suis encore dans le vlog de Marie. Il est long, très long, mais en fait c'est qu'il y a une de ses amies qui est venue parler produits, je sais pas quoi. Je regarde, hein, de toute façon, je regarde toujours. Même si je ne like plus et je ne commente plus ses vlogs, voilà, ça m'empêche pas de regarder. Parce qu'heureusement que je regarde, parce que si je regardais pas. La dernière fois, j'aurais pas su qu'elle m'avait encore démonté quand je vous ai dit que mes fondants étaient industriels. Voilà, on va pas revenir là-dessus. Où est ma cannelle? On va pas revenir là-dessus. Non, t'es trop loin, cannelle. J'ai très mal, je crois, je commence à refaire une perlèche. Des deux côtés. J'ai Léon le bouton qui est en train de s'amener. Ou c'est une tache, je sais pas. Je sais pas si ça va être un bouton, je sais pas si c'est Léon le bouton, Bernard le chat, ou si c'est ma gueule de fracassé. Hein, parce que là, vous voyez que le cauchemar ne m'a pas aidé. Je suis creusée là, tout là, je suis creusée. C'est une catastrophe. Et je peux me demander aussi pourquoi je ne dors pas, pourquoi je n'ai pas un pet de fatigue. J'ai un tilté, c'est la pleine lune ce soir. Cette nuit. Donc de la nuit du samedi au dimanche, c'est la pleine lune. Voilà. Donc je comprends mieux pourquoi je n'ai pas un pet de fatigue. Voilà. Donc écoutez, bah, la nuit s'annonce longue. Je vais pas travailler encore une fois parce que je pourrais faire des fondants. Je viens à peine de démouler les autres et donc je vais pas en faire spécialement. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Oui, je sais que tu m'aimes. Moi, si je t'aime, baisse la tête, maman. Mais rote-moi nez. Voilà, t'as plein de bisous. Ça va, t'es content? T'as pas, t'es content, t'as eu plein de bisous? Donc, voilà. Donc, ouais, le vlog, faut que je le monte encore. Faut que je mette la vidéo que je vous ai publiée de démoulage, quoi, du démoulage, faut que je la mette sur TikTok et Instagram. Et puis voilà, donc là je continue la vidéo de Marie tout en faisant ça. Et puis voilà, donc écoutez, faut que je sorte le fondant coco citron vert, c'est ça que je voulais faire. Je brûle une votive Ghost Creek que j'ai retrouvée. Je la brûle dans mon brûleur, hein. Je la brûle dans mon brûleur. C'était cidre ou je sais pas quoi, apple, cidre pomme, cidre de pomme ou je sais pas quoi, apple cinder. Je crois que c'est ça que je brûle. De toute façon, vous le verrez dans mes produits terminés. Et dans mes produits terminés, il faut que je mette un produit qui ne sera pas terminé. En fait, façon de parler, c'est que j'ai terminé la bouteille d'adoucissant. Sauf qu'en fait, comme je prends du concentré, moi je le dilue. Et je dilue dans la bouteille. Et en fait, j'ai racheté exactement la même bouteille. Donc en gros, j'ai fait moite-moite dans chaque bouteille et j'ai dilué. Donc c'est en gros que j'ai terminé une bouteille, mais quand je vous la montrerai, elle sera pleine de la moitié d'adoucissant avec de l'eau coupée à l'eau. Pourquoi je dilue mes adoucissants? Parce que j'ai tendance à en mettre trop du concentré. Donc en gros, ce qui devrait faire 45 lavages, 75 lavages, j'en fais 30 parce que j'en mets beaucoup trop. Donc en fait, moi maintenant je dilue, parce que comme je prends maintenant l'adoucissant, c'est que du concentré, hein, c'est pas les bidons de soupline de litre 5. Comme je prends que du concentré, bah maintenant je dilue. Quand je dilue maintenant, non c'est pas maintenant, c'est pas nouveau. Je dilue depuis bien longtemps. Puis après, quand tu vois le prix de l'adoucissant, tu ne peux que diluer. Voilà. Même mes lessives et mes adoucissants Rituals, je peux vous dire, je les dilue. Oui, parce que j'ai des adoucissants et des lessives Rituals. Oui, j'ai de l'argent à dépenser. J'ai acheté ça quand j'avais de l'argent. Quand j'avais de l'argent. Bon, j'avais pas d'argent spécialement, mais quand je faisais n'importe quoi.
avant que Tata Sandra me remette sur le droit chemin. Donc voilà. Donc je faisais ça comme ça, et puis au final. Et ben au final, maintenant j'ai encore mes lessives, mais je peux vous dire que je les économise un max. Genre, je le fais pas pour mes lessives quotidiennes, c'est vraiment si je veux laver mes doudous ou du petit linge, une toute petite machine, que je veux pas utiliser un pod de lessive, je mets mes lessives Rituals. Voilà. Donc écoutez, je reprends mes vidéos YouTube et je reprendrai pour clôturer après. À toutes. Il est 3h50. Le vlog de Marie vient enfin de se terminer. C'était long, surtout la dernière heure et demie, parce qu'en fait, c'était juste une de ses amies qui venait parler de son MLM. Donc à la fin, t'en as rien à carrer des produits, voilà. Donc voilà, à la fin, c'était long, j'ai quand même regardé. Parce que je me disais peut-être qu'à la fin, il y aura un autre truc et tout. Donc non, tu laisses, tu laisses, tu laisses, tu laisses. Et puis finalement, il n'y a rien. J'ai envie de manger du pain avec, vous savez, gratiné avec du fromage. J'avais mes pains à pré-cuire que je n'ai pas utilisés. Donc je me dis que peut-être je vais en faire un, comme il me reste du gruyère. Je vais l'ouvrir. Je vais mettre du gruyère dessus, puis je vais le mettre à cuire. Voilà. Donc après, il faut que je fasse le montage du vlog. Voilà, faut que je fasse le montage du vlog. Mais je pense que je vais le clôturer ici. Non, je pense que je vais le clôturer ici parce que bah, il ne se passera plus rien de ma soirée. De toute façon, il est presque 4h du matin. Donc limite, autant que j'ouvre un nouveau vlog, hein, clairement. Donc voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!